Bienvenue sur Data Center 360. Je pourrais vous dire que en suivant cette conférence, nous relevons peut-être une ou deux choses qui peuvent étonner. La première, c'est de dire qu'il y a eu refus de recevoir le ministre béninois en charge des mines qui est arrivé. Il a été bien reçu par son homologue et le chef de l'État que j'ai personnellement eu a donné instruction pour que le ministre de la Santé puisse recevoir le ministre pour qu'il puisse prendre le message. Le ministre de la Santé, c'est un membre du gouvernement. Il est membre du CNSP. Il est colonel major. Et donc, il est digne de recevoir un message destiné au président. Si le jour-là, le chef de l'État, le général Tchani, n'était pas disponible, c'est parce qu'avec toutes les équipes de sécurité, ils étaient en train d'analyser la situation de l'attaque qui a eu à Boni. Et on sait d'où viennent ceux qui sont venus provoquer les désordres et la désolation. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, quand le chef de l'État béninois dit que le contenu de son message était un message d'apaisement, alors qu'il précise que c'est pour annoncer que tant que la frontière n'est pas ouverte, rien ne saurait se faire, sachant pertinemment que la position de notre pays est le maintien de la frontière fermée pour raison de sécurité, on s'interroge qu'est-ce que ça veut dire, sachant que nous avons cette position et dire que c'est un message d'apaisement. Il faut s'interroger. Le troisième et dernier élément, il n'a pas fait cas du renvoi par nos représentants du port. Nous avons des inspecteurs qui y étaient. La police béninoise a été chargée de les chasser. Ça, vous le savez. Est-ce que cela est normal? Dans les accords, à la fois bilatéraux et tripartites, il faut que toutes les parties soient présentes au moment où on doit faire les chargements. Mais si on chasse nos représentants, dites-moi, est-ce qu'il faut charger le brut nigérien à l'absence de nos témoins qui sont nos dignes représentants? Donc on reviendra un peu plus en détail. Nous continuons à dire que le Niger n'a aucune responsabilité dans ce qui arrive. La responsabilité de notre pays, c'est l'observation stricte de tous les accords qui ont été signés, à la fois avec les Chinois, mais également avec le Bénin. Téléchargez notre guide gratuit sur l'éveil africain pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique. Créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien en description.